Tu t'apprêtes à réaliser un projet complet avec Racknative. Suis bien ce tutoriel du début à la fin pour ne pas rater d'étapes essentielles. Ok, donc là on va tout simplement créer un moteur de recherche pour films et séries. Donc là on va avoir une part de recherche. On va pouvoir ici rentrer le nom d'une série ou d'un film. On clique sur rechercher, on a l'animation. Et là, dans un instant, on va avoir une liste de tous les résultats avec tous les films, toutes les séries, etc. Bien affichés. Ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la commande et on va aller tout simplement dans le bon dossier. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler React Native Movie Search. On va l'ouvrir avec VS Code. Et là, dans la console, je vais, euh, bah, là, je suis dans le dossier parent. Donc, on va aller directement à l'intérieur. React Native Movie Search. Auquel okay, on y est. Donc, là, on va installer, du coup, Expo, qui va nous permettre de créer tous nos projets React Native. Donc, là, je vais faire Yarn Add. Moi, normalement, c'est NPM. Moi, j'utilise Yarn. Donc, Yarn Add. Sinon ce sera npm install yarn add expo et donc là on l'a ajouté directement sur le dossier donc là on va y avoir notre projet ok maintenant c'est installé du coup on va pouvoir créer le projet avec yarn create expo et si cité sur npm ce sera npm create expo tout simplement alors il va nous demander donc, le nom de l'application je vais appeler ça app on s'en fiche et puis là donc, il va créer le dossier qui va correspondre au projet c'est là qu'on va avoir tous les fichiers JavaScript etc avec donc le code qui va ressembler un peu à React. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir tout simplement ouvrir le dossier qui vient de créer avec VS Code. Et là, donc on aura directement le dossier qui correspond au projet. Donc, donc là, on a déjà un fichier A.js, Ce sera le code de départ. La Gitignore, on s'en fiche un peu. La Assets, c'est là où on va mettre les images. Bon, en l'occurrence, on ne va pas vraiment s'en servir. A.json, c'est avec les métadonnées de l'application, le nom, version, etc. Ça, c'est pour les modules. La Babel c'est le bundler, c'est ce qui va permettre de transformer le code JavaScript, etc. Et Yarn Lock, bah là c'est parce que j'utilise Yarn. Donc on s'en fiche un petit peu, on va se rendre directement dans 1.js. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va directement lancer le projet pour voir à quoi ça ressemble. Donc on va faire Yarn Expo Start Web. Et si tu es sur NPM, pareil, tu as juste à remplacer ça npm, expo, start, web. Oh, et là on voit qu'il nous manque des dépendances pour lui lancer, euh, le lancer sur navigateur tout simplement, parce qu'à la base React Native, ça sert à créer des applications mobile, mais on peut également s'en servir pour faire du web. Mais pour ça, il va falloir qu'on installe certaines dépendances qui vont permettre de transformer ces balises là, un peu spéciales, texte, view, etc., en balises HTML, div, p, etc., etc. Pour ça, on va juste installer ici ce qui nous propose. Donc, on va l'installer, yarn add, voilà. Et là, on va attendre quelques instants. Et ensuite, on aura tout ce qu'il nous faudra donc pour lancer le projet sur la version web. Ce sera plus pratique. Je pourrais utiliser un émulateur ou mon téléphone. Mais pour filmer, le tutoriel, c'est plus simple si je le fais sur l'ordi directement. Sur le navigateur. Donc euh, voilà, c'est pour le côté pratique. Mais après, on aurait pu tester ça sur un vrai téléphone, etc. Mais moi, là, je vais m'en tenir au navigateur. Donc maintenant, on va pouvoir normalement lancer le projet. Expo start. Bah, il en manque deux. Allez. Bref. Après, ça sera terminé. C'est parce que j'avais laissé les virgules. Ça a installé que la première extension sur les trois. Enfin bref. Donc là, on a les trois dépendances. Donc qui vont servir à faire tourner React euh, sur le web. Donc maintenant, on va pouvoir lancer enfin le projet sur le navigateur. Donc là, ça va le faire tourner sur un certain port et puis ensuite on va y accéder depuis navigateur. Moi, j'utilise Opera. On s'en fiche. On peut utiliser n'importe quel navigateur. Et voilà. Et là, il vient nous lancer automatiquement le projet sur navigateur. Je vais mettre ça sur le côté. Et là, on a bien App. C'est notre projet qui est lancé. Et on voit bien que ce texte-là, ça correspond à ce qu'on a ici, dans le composant App. Donc du fichier app.js. Donc là, c'est bien ce qui est lu sur navigateur. Ce que le navigateur ici va lire c'est tout simplement le fichier a.js. Et dedans, on va pouvoir mettre nos propres composants, etc., etc. Donc, alors, Native ça fonctionne tout simplement grâce à des composants, donc, de base. Donc, on a View. Ça sert à faire un conteneur dans lequel on va avoir d'autres composants. Ça sert juste à diviser les différentes parties de la, du composant. Ensuite, Text. Bah, comme son nom l'a dit, que ça sert à mettre du texte et c'est à peu près tout. Et puis ensuite, on va en avoir d'autres. Images, Text Input, etc. On va voir ça dans un instant. Mais là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du style. Donc, là, on voit qu'il y en a déjà du style. Donc le style on l'écrit là dans un objet ici, Style Sheet, et ça se trouve tout en bas. Donc euh, c'est en trois parties. Au début on a les importations, ensuite on a le composant, et ensuite on a le style. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rajouter des marges au-dessus en tout. On va mettre Padding Top, 30, et là c'est juste un nombre. Ça sous-entend 30 pixels, et ensuite margin horizontal. Donc ça va mettre sur les deux côtés. Donc là le style comme on peut le voir ressemble un petit peu au CSS. On a Flex, Background Color, etc. Sauf que ça s'écrit avec une majuscule sur le deuxième mot. Enfin, il n'y a pas de tiré en gros, vu que c'est simplement un nom de variable. Là, c'est vraiment juste un objet. Donc, on écrit le CSS entre guillemets dans un objet. En tout cas, le nom des attributs ressemble au nom des attributs en CSS. Donc, c'est assez pratique du coup pour euh, s'en rappeler. Donc, là, ce qu'on va faire, status bar au passage, on va pas vraiment s'en soucier. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer le texte. Et donc, là, ce sera retiré. Donc, sur le, le résultat ici, l'affichage sur le navigateur on va venir créer un nouveau composant view, on va l'ajouter ici et donc ça c'est l'équivalent d'un div. Du coup, dans cette partie-là, ça ce sera pour le formulaire de l'application. Donc on va mettre le style qu'on va venir créer juste après. Donc là style avec un S, c'est le nom de l'objet qui contient tout le style. point et on va appeler ça euh, forme. Ensuite à l'intérieur, on va mettre un champ de saisie donc ce sera text input au lieu de input type text et là pareil, on va mettre le placeholder, enter movie title. Ça sera un titre de film. Ensuite on aura value qu'on va venir mettre un peu après. Non tu sais quoi on va le mettre tout de suite en fait. On va juste refermer le composant ici. Donc là c'est comme en HTML ou JSX. L'input il n'a pas de balise fermante. Il se ferme directement comme ça. Donc là le truc c'est que textinput il ne le connaît pas encore. Donc on va devoir l'importer. Ici donc depuis React Native. React Native c'est une dépendance qui est installée ici. Si on va voir dans les dépendances, on a bien React native. Donc là, on a React. Là, on a Expo. C'est donc ce qui nous permet de gérer notre projet. Status Bar, bah ça, on s'en fiche un peu. Ça s'affiche seulement sur les téléphones de toute façon. Donc on, là, on ne le verra pas. Ensuite, Webpack, React DOM et React Native Web. C'est pour faire tourner l'application sur un navigateur. Donc c'est ce qu'on a installé tout à l'heure. Et React native, donc c'est ce qui contient euh, tous les composants. Donc Style Sheet, ce qui nous permet d'ajouter le style. Text, donc la balise pour mettre le texte. View, l'équivalent du div. Et text input, l'équivalent du input type texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un state. Et on peut faire ça parce que, comme on peut le voir, et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à l'instant, on a React d'installer. Du coup, on a tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les hooks, etc., etc. Donc ça, ça va être très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau state. On va appeler ça query. Donc, terme de recherche. Ce sera le titre qu'on va rentrer ici dans le champ de saisie, text input. Donc, la fonction, ce sera set query, égale use state, qu'il va importer comme ceci. Et par défaut, ce sera juste une chaîne vide. Donc, c'est ça qu'on va venir récupérer dans value query. Voilà, donc là, on a déjà le champ de saisie qui s'affiche. Bon, on va modifier un petit peu le style parce que là, ça ressemble un petit peu à rien, mais ça, on va le faire juste après. Donc, ensuite, la fonction pour que quand on écrive donc, dans le champ de saisie, ça vienne modifier directement le state ici query, c'est tout simplement on change onChangeText. Et à l'intérieur, on va utiliser donc la fonction pour modifier le state, cette query. Et là, on n'a pas besoin de mettre de parenthèses ou quoi. On a juste à mettre le nom de la fonction. Et reconnu automatiquement. Donc là, maintenant, il va pouvoir mettre à jour. Donc là, ce qui se passe au niveau des states, c'est qu'on dit que notre champ saisie, qui se trouve là, on voit pas trop les bordures, mais il se trouve ici. Sa valeur, c'est équivalent donc au state query, donc qui est une variable. Et le truc là, si on n'a pas la fonction unchange c'est que query, il sera toujours équivalent donc à une chaîne de caractères vide. Tandis que si on rajoute cette fonction là, il va voir qu'à chaque fois qu'on modifie donc la valeur de l'input, il va venir utiliser cette query pour modifier le state. Justement ici, quoi. pour changer la chaîne de caractères vide en eh bien ce qu'on aura écrit donc dans le champ de saisie. Donc ces deux-là sont très importants. Ça, ça le relie au state et ça, ça le permet de le modifier en temps réel. Donc maintenant, on va ajouter le style. Donc là, pareil, on va relier à l'objet style et là, on va appeler ça simplement input. Donc on va venir rajouter le style pour le formulaire au passage. On va juste mettre margin bottom. On va mettre ça sur 20. Ensuite, on va ajouter un nouveau sous objet. Là, ce sera pour input qu'on vient d'ajouter. Là, on va mettre largeur, donc width. Et là, 100%. Mais vu que là, c'est pas juste un nombre. Il y a le petit pourcent qui vient gêner. On va devoir mettre des guillemets. Et donc là, ça transforme en string. Tandis que là, c'était juste des numbers. Et donc là, il reconnaît que c'est 100% et il va lui faire prendre toute la largeur, etc. Tout est prévu à ce niveau là. Du coup, maintenant, on va rajouter margin, top. Donc des marges en haut. On va mettre ça sur 10. On va mettre des marges internes. Ça, pareil, c'est supporté. On va mettre ça sur 10. Et ensuite, on va arrondir les bords. On va mettre ça sur 5. Là, on va venir agrandir, donc, la taille de la police. On va mettre font size 18. On va mettre des marges à gauche. Et on va aussi faire en sorte que ces barres-là disparaissent sur les côtés parce que c'est un petit peu crade. On va mettre outline style sur none. Voilà. En chaîne de caractère. Et là, on a bien, donc, un champ de saisie assez simple et minimaliste. Donc là, on a un formulaire, mais un formulaire n'est pas un vrai formulaire sans bouton de validation. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement rajouter un bouton. Donc là, pour rajouter un bouton, on va devoir utiliser un composant React Native, comme ce qu'on a déjà importé ici. En l'occurrence, le bouton, ce sera Presable. Donc là, il l'a importé du coup, depuis React Native. Lui, il a une balise fermante. Donc on va faire comme ça. Et à l'intérieur, on va devoir mettre du texte. Donc non pas avec un attribut value, mais directement avec une autre balise texte qui sera à l'intérieur du bouton Presable. Et on va appeler ça Search. Donc ça, ce sera le texte qui sera affiché donc dans le bouton. Voilà. Voilà, le bouton, on le voit pas, vu qu'il n'a pas encore de style, on va lui ajouter. Et on va appeler ça donc style.buttoncontainer. On va l'appeler comme ça. Donc là, on va juste copier ça. On va venir l'ajouter juste ici. Donc là, on va rajouter du coup les largeurs, 100%. On va mettre margin top, padding. Et on va arrondir les bords du bouton. On va également lui rajouter donc une couleur, background color. Et on va mettre, attendez, deux têtes, deux A. 6 4 e, 0 en hexadécimal voilà maintenant on va ajouter le style pour le texte donc on va ajouter à la suite button texte pareil ce sera un nouvel objet et là on va mettre la couleur du texte on va mettre white directement comme ça ensuite text line center évidemment et puis la police font size et comme tout à l'heure on va mettre 18 la majuscule et voilà maintenant il nous reste à relier donc ce style sur le texte ici donc style égal Là, on va mettre l'objet style. Et puis, notre sous-objet, bouton texte. Et là, ce n'était pas padding top, c'était padding. Et voilà. Donc là, on a notre bouton. Maintenant, on va juste faire en sorte que quand on appuie dessus, ça modifie un peu la couleur, parce que là, on ne voit pas vraiment la différence. Donc pour ça, on va venir ici dans le style du bouton directement, donc le button container. On aurait pu appeler ça juste bouton, hein, vu que c'est ça le, le vrai bouton. Ça, c'est simplement le texte qui aura à l'intérieur. Du coup, là, on va créer un objet un peu plus complexe. C'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué. On va venir créer donc une fonction. On va récupérer Prest. Donc ça, c'est un attribut. Ça veut simplement dire que c'est euh, un boulien. Donc est-ce que oui ou non, on a cliqué sur le bouton. Donc si bon, là, actuellement, du coup, c'est false. Et si je clique, là, c'est true. L'espace d'une demi-seconde, même pas. Et donc à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre style de base. Et ensuite, on va mettre background color. On va mettre ça entre accolades. Et là, on va vérifier si Prest est vrai. Donc si oui ou non, on est en train de cliquer. Et si on est en train de cliquer, on va venir donc récupérer cette couleur. Et ce sera la valeur donc de background color. Et sinon, on va mettre une autre couleur qui sera pareil en hexadécimal. 4, 2, 8, 7, F, 5. On s'en fiche de la couleur, hein, c'est juste un exemple. Et par contre là, c'était des crochets simples. Donc en gros ici, ce qui se passe, c'est que on s'occupe donc uniquement de ce bouton ici, pressable. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir donc un style conditionnel. Un style qui va changer en fonction d'une certaine valeur. Donc ici, on a le style et donc le style du bouton, on dit que c'est. On vérifie donc prest. Donc on vient ici déstructurer cette valeur. Ici il nous indique bien que c'est un boolean. Donc ce sera soit vrai, soit faux. Et ça s'associe à pressable. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on clique c'est vrai et quand on ne clique pas c'est faux. Donc le clic il va durer même pas une demi seconde. Donc ce sera vrai l'espace d'une fraction de seconde tout simplement. Et tout le reste du temps ce sera faux. Et donc ensuite ce qui se passe, c'est que là on va mettre le style. Et le style avant donc on se contentait juste de mettre ici le nom donc de notre objet. Donc, style.input qu'on va récupérer, ça correspond bien donc à chaque fois au sous-objet avec le style. Et donc là, on avait button container. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas juste le style button container, mais on met carrément une liste de styles. On va avoir plusieurs styles. Au lieu d'avoir juste celui-ci, on va en avoir plusieurs. Mais pour en avoir plusieurs, faut tout mettre dans une liste. Donc, on vérifie Preste, Donc, si le bouton est cliqué ou pas. Et en fonction de ça, donc, on va avoir une liste de styles. On aura d'abord Button container donc qui contient euh, la largeur etc etc ça ça va pas changer et ensuite on a un deuxième style et ça c'est pas un objet qui est dans style sheet là c'est directement un objet qu'on fait à l'intérieur du composant et là ça contient un seul attribut juste background color juste pour modifier la couleur de fond ici si je clique on voit que ça se modifie bien et donc voilà donc le bouton pressable il prend d'abord le style button container donc avec tout ça largeur etc margin etc et ensuite un deuxième style qui va venir s'additionner donc en plus, et là on va juste modifier la couleur de fond et en l'occurrence, on va mettre donc une couleur en fonction de si le bouton est cliqué ou pas. S'il si est cliqué, ce sera cette couleur qui est un peu plus foncée et sinon ce sera celle-ci qui est un peu plus claire. C'est tout. Donc on a juste button container dans tous les cas et ensuite, on a background color qui va dépendre de si le bouton est cliqué ou pas. Tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction qui va nous permettre d'aller récupérer la réponse de l'API. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier, on va faire ça à l'extérieur, api.js. Et là, donc, on va directement exporter la fonction qu'on va créer. Export const. On va appeler ça search movies. Donc, fonction asynchrone. Et là, on va aller donc sur rapidapi.com. On va se rendre sur ici imdb. Et là, on va aller dans la section title find. Donc, title, title find. Là, on va prendre JavaScript fetch et on va venir copier ici le code. Là, on peut faire un test, hein. test endpoint. On va voir ce que ça nous renvoie. Et là, on a bien du coup le résultat avec une liste results avec tous les résultats. 0, 1. Et là, on aura donc titre année etc., etc. Ok, euh, intéressant. Du coup, on va récupérer le JSON qu'on va convertir en objet et ensuite on va récupérer la liste results. Ok, donc on va pouvoir revenir donc sur le code. On va venir coller tout ce qu'on a copié. Donc ici, on a l'URL de recherche. Là, il y a la recherche par défaut, donc euh, Game of Thrones. Nous, on va enlever ça. On va faire un template littéral avec Alger et la touche set Ça va nous permettre donc de mettre une variable directement dans la chaîne de caractères. Et là, on va ajouter donc le terme de recherche. Donc le state. Mais pour ça, on va devoir le passer en paramètre évidemment, quand on va l'appeler sur app.js. Donc là, on a l'url de recherche, là, on a la méthode, donc pour dire qu'on récupère des informations, là, c'est les identifiants, à garder secret, bien évidemment, mais... Moi, je m'en fiche un peu. C'est pour le tutoriel. Et là, on a la requête. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer donc, de récupérer une réponse grâce à la méthode fetch. Donc, depuis le bon URL. Donc, il est censé nous renvoyer, du coup, le JSON ici dans response. Ensuite, avec result, on va récupérer donc l'objet. L'objet, c'est donc euh, tout ça. Et donc, nous, on a dit qu'on voulait seulement la liste qui est à l'intérieur. Et la liste, elle s'appelle result. Avec un S. Et donc également on va renvoyer le résultat. Donc result.result. .result. Et voilà. Et en cas d'erreur, on affiche l'erreur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la réponse depuis notre composant directement. Donc on va créer une autre fonction, handle search, asynchrone également. C'est là qu'on va récupérer la réponse. Donc avec le return ici. On va récupérer tout ça. Pour l'avoir donc dans le composant. Et ensuite on pourra afficher, etc. Donc là on va vérifier tout d'abord si query n'est pas vide. Donc if query. Là on va donc récupérer le résultat. On va appeler ça à data. Await et là on va appeler donc notre fonction search movies. Là il la reconnaît, on l'importe depuis API, donc api.js, c'est sous-entendu. Et on va lui passer en paramètre, notre state query, qui contient le titre recherché par l'utilisateur. Du coup là, on saisit un nom de série ou de film. Et dès qu'on appuie sur search, il faut qu'on appelle donc handle search qui va lui ensuite appeler search movies. Donc pour ça, on va utiliser l'attribut onPress. Donc c'est l'équivalent de onClick. Et donc là pareil, on rentre le nom d'une fonction. Donc nous c'est handle search. Et comme tout à l'heure, pas besoin de paramètres. Donc il n'y a même pas besoin des parenthèses. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un second State qu'on va appeler Movies, avec la fonction SetMovies. Et donc ça, ce sera une liste. Et donc, on va pouvoir ajouter à Movies l'objet qu'on va recevoir, la liste de films qu'on va recevoir depuis l'API. Ok, donc à ce niveau-là, on saisit du coup le nom d'une série. Ici, on recherche. Là, on va faire Ctrl-Maj-I pour faire apparaître la console. Ensuite, ça, c'est du coup envoyer au State Query. Et dès qu'on appuie sur Search, ça va lancer la fonction Handle search qui va vérifier si Corinne n'est pas vide. Nous on avait quelque chose donc c'est pas vide. On appelle du coup search movies, on lui passe le nom de la série, il demande à l'API et il renvoie la liste de films. Ensuite cette liste, on la met dans le data et on ajoute le tout au state. Donc voilà, donc movies contient la liste de films. OK, donc maintenant qu'on a bien récupéré donc les résultats, on va refaire un test, la search et là on a bien tous nos résultats ici, tac, avec le titre, l'année, etc. Donc maintenant ces informations là, il va falloir les afficher. Et pour ça, on va utiliser une liste. Et la liste en React Native, c'est également un composant natif, c'est FlatList. Donc, on l'importe depuis React Native, et il se ferme tout seul comme ça. Et en fait, ça va remplacer la liste et la méthode .map en JavaScript. Donc, il va faire tout le travail à notre place. On a juste à lui fournir les données, donc data. Et en l'occurrence, là, on va lui donner du coup la liste qu'on a récupérée, donc movies. Et ensuite, on va lui indiquer comment afficher ces données, donc avec la fonction renderItem. Donc, ça apparaissait une fonction. Sauf que là, au lieu de mettre des accolades, on va mettre des parenthèses parce que là, on va mettre les composants directement à afficher. Et ici, on va devoir récupérer un paramètre. Le paramètre, ce sera item à déstructurer, donc, comme ça. Et ensuite, la liste, donc, la liste, elle va reconnaître que item, c'est à chaque fois chaque film, donc chaque élément de la liste. Du coup, pour chaque film, on va ajouter un nouveau composant view. Pour le style qu'on mettra plus tard, ce sera styles.row. Ce sera à chaque rangée. Ensuite, là, on va avoir une image, l'image du film. On va avoir donc deux attributs, la source. À l'intérieur, on va avoir un objet avec URI, et là, ce sera le lien de l'image. Et le lien de l'image, normalement, on peut l'obtenir ici, en allant ici dans image, URL. Du coup, on va sur item. Donc ça, ce sera, par exemple, ici, 2, ou alors 3, et ainsi de suite. Ce sera chaque élément de la liste, movies. Donc movies, c'est le nom de notre state, dans lequel on a la liste qui contient tous ces objets-là. 3, 4, 5, etc. Donc item, item, c'est ça, c'est 3, 4, 5, etc. Point, .image, point, .url. Et là, on se rend directement à cet endroit du coup donc là on a bien le lien d'une image si jamais on vient coller ça sur la barre de recherche on enlève juste les guillemets là on a bien une image donc c'est tout pour la source ensuite on va juste mettre le style on va appeler ça donc style sans s et là style avec un s on va appeler ça image tout simplement et voilà on a terminé pour l'image d'affiche là elle s'affiche pas parce qu'on n'a pas encore le style de l'image justement ensuite on va mettre la hauteur largeur et là on verra donc à quoi ça ressemble bon, en fait, c'est qu'on peut le faire maintenant hein, en réalité donc ici on va créer le style pour raw tout d'abord pour la ranger donc pour chaque film les uns au-dessus des autres, d'où comme des marges au-dessus et en dessous avec margin verticale, donc c'est top bottom, c'est l'équivalent. On va mettre 10. Ensuite, on va mettre un flex box, donc display flex comme ça. Ensuite, flex direction, du coup en camel case, ce sera bah bien évidemment row. Et puis, on va espacer un peu les différentes rangées avec column gap. Et là, on va mettre une valeur en pixels 10. Voilà, là il manquait juste les deux petits points, et voilà. Ensuite, on on va en créer un second, c'est pour image. On va mettre la largeur, width. On va mettre par exemple 75 pixels. Et puis la hauteur, height. On va mettre 110 pour avoir un truc à peu près rectangulaire. Ensuite, on met des bords, bord de radius. On va mettre 5. Et voilà. Là, il a compris qu'on allait mettre des espaces, etc. Maintenant, on va faire un test. Du coup, là, je crois qu'il y a juste image qu'on n'a pas vraiment apporté. Donc, image depuis React Native. Et maintenant, on va faire un test. Donc là, on va mettre un nom de film ou de série. Search. OK. Donc maintenant, on va ajouter les détails. Donc, on va séparer avec un nouveau view. Donc, on aura l'image d'un côté et ensuite de l'autre, les informations avec le titre et les détails sur le film, etc. Là, on va mettre le style. On va mettre donc style.details qu'on viendra donc ajouter après à l'objet style sheet. Ensuite, là, on va voir du texte pour le titre. Donc, on va récupérer l'item, du coup, la, le sous-objet qui correspond à chaque film et on va récupérer son title. Bien on va mettre le style. Donc, styles.title. Et en dessous, on va mettre un nouveau texte. Et là, ce sera hier. Euh, en fait, on va juste mettre euh, l'année en dessous. Donc là ce sera item.ir Donc là on va faire un test. Si jamais on met donc un nom de série. Si jamais tu comptes aller plus loin dans le développement d'applications mobiles, j'ai créé un programme complet qui va te permettre d'apprendre React Native en seulement quelques semaines. Et on va même réaliser les premiers projets pour ton portfolio. Ce programme s'appelle React Native Pro. Il est disponible directement grâce au premier lien dans la description. Tu n'as pas besoin de prérequis pour suivre la formation. Par contre le nombre de places est limité. Alors réserve ta place grâce au lien dans la description. Search Et là on a bien les résultats qui s'affichent. C'est pas encore terminé, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, donc, dans l'objet. Et là, on voit qu'on a le type de contenu. Donc, si c'est un film ou une série. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'afficher. Mais si on affiche directement TV series, là, c'est un petit peu moche. Il n'y a même pas d'espace. Donc, on va juste venir le mettre ici avec un opérateur ternaire, si on veut. Donc là, on va séparer avec un tiret. Là, on va de nouveau mettre du JavaScript. On va mettre une condition. Donc, on va récupérer item. ici. Donc, ça s'appelle title type. Donc, ce sera soit TV series, soit, euh, je sais pas, movies, peut-être. Et donc, on va demander si c'est égal à euh, TV series, par exemple. Si oui, on va renvoyer série. Sinon, on va renvoyer film. Voilà. Et normalement, maintenant, on devrait avoir l'affichage. Là, la série, série, film, 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 etc. Là, on est bon. Donc là, il vient juste vérifier ça. Cet attribut-là. Il vérifie si c'est TV series. Il affiche série à la place. Et si c'est autre chose, donc sûrement que c'est movies ou je sais pas, il va afficher film. Voilà. Donc, en gros, tout ça, ce sera remplacé par série ou film. Tout simplement. Donc là, maintenant, on va rajouter du style. Donc, D'abord pour title, on va juste modifier la police, enfin, la taille de la police, font size 22. Ensuite, on va modifier hier, on va mettre font size 10. Maintenant, on va modifier le style de la liste directement. Donc pour ça, on va devoir utiliser un attribut qui sera content container style. C'est un petit peu long, mais voilà. Et à l'intérieur, on va mettre donc un objet de style. On va appeler ça euh, liste. Ici, on va venir mettre ça liste padding bottom. On va mettre marge en dessous 20. Voilà. Donc en gros, ça c'est l'équivalent de style, tout simplement. Maintenant, on va faire un truc assez sympa, c'est qu'on va afficher une animation de chargement. Donc, pendant qu'il est en train d'aller chercher les données. Donc, pour ça, on va devoir utiliser un nouveau state. On va l'appeler isLoading. Donc, la fonction set isLoading, Et ce sera un state. La valeur par défaut, ce sera false. Ce sera un boulet. Donc, faux la plupart du temps. Et simplement, quand on est en train de faire une requête, ce sera sur. Enfin, true, mais je n'ai pas l'accent. Et donc, pour modifier ça, on va juste aller ici, dans notre fonction qui va effectuer, euh, qui va demander la requête. Et là, on va donc mettre ça sur, cette isloading, on va mettre ça sur true. Voilà. Donc, dès qu'on appuie sur le bouton, boum, ça charge. Ensuite, on demande à l'API, on récupère les infos, et ensuite, ça décharge. Enfin, ça charge plus. Donc, false. Mais on va essayer d'un peu mieux l'écrire. Donc, on va envelopper ça dans un try catch. On va mettre ça ici dans try. Donc, il essaye de faire tout ça. Et là, le catch, en fait, on va pas on va le transformer en finally. Donc, finally, il s'exécute quoi qu'il arrive, qui ait une erreur ou pas. Donc, d'abord, il fait ça et ensuite, il va faire ça, tout simplement. Du coup, on commence. Il vérifie que on est bien quelque chose ici dans la barre de recherche. Boum, ça charge. Il récupère les films. Il les envoie dans le state et ensuite, ça ne charge plus. OK. Maintenant, on va devoir afficher donc l'animation. Donc on va le mettre ici entre le formulaire et la liste. On va mettre aussi euh, du, du coup un rendu conditionnel avec un opérateur ternaire comme on l'a fait ici tac, et comme on l'a fait aussi ici. Donc on va vérifier isLoading et là on va pas mettre ça comme ça. On va juste vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, on va afficher un composant de React Native qui s'appelle Indicator de React Native. Là il a quelques attributs. On va mettre size. Donc là c'est une chaîne de caractères large. Donc, c'est du style qui existe déjà. Enfin, c'est prévu pour ce composant. Et là, la couleur, hexadécimale, on va mettre 0000FF. Donc, là, si je ne me trompe pas, c'est RGB. Du coup, ce sera en bleu. Maintenant, on va refermer donc, le composant activité Indicator. Donc, pour avoir l'animation de chargement, on va vérifier qu'il l'a bien emporté. Et oui, c'est bon. Depuis React Native. Et maintenant, on va refaire un test. Donc, on va entrer dans le film, Search. Et là, on a bien l'animation la, de chargement. Et là, on voit qu'il y en a certains qui nous prennent un peu la tête. Parce qu'en fait, ils n'ont pas touché une image. Bon, ça, c'est l'API qui est fait comme ça. Mais donc. C'est pas grave, on va juste ajouter ici une condition. Donc data au lieu de lui donner tous les films, on va lui donner les films qui ont une image, tout simplement. Comme ça, ça nous évitera d'avoir cette erreur. Donc au lieu de lui passer directement le state movies qui est une liste, on va lui passer le state movies mais filtré. Donc on va utiliser la méthode filter vu que movies c'est une liste, la liste des films. C'est bon. Du coup filter, on va prendre un paramètre item et là c'est le même principe que pour flatList. Là il reconnaît que ça, ça va être chaque élément de la liste. Là ça va faire un petit peu de la même manière, donc voilà, ça c'est drôle. Et donc, la condition, ça va être si item image et item title et également item year. Traduction, au lieu de lui passer tous les films, on lui passe les films qui respectent cette condition. La condition étant que le film ait une image, qu'il ait également un titre et qu'il ait également une année, donc, de parution, de diffusion. Du coup, ça, ça va renvoyer une liste. Au lieu de renvoyer tout Movies, ça va renvoyer une autre liste basée sur les films qu'il y a dans Movies. Simplement, on garde uniquement ceux qui ont. Tout ce dont on aura besoin donc pour afficher correctement. Donc voilà. Donc tout ça à la fin c'est une liste donc tac qui va contenir ensuite les différents films etc. Simplement on n'a pas ceux qui sont un peu vides, enfin qui où il manque une image, où il manque un titre etc. Donc maintenant on va réessayer. Et là on est bon. Vu qu'on va rendre, enfin vu qu'on va afficher seulement ceux qui ont image etc etc, on n'aura pas l'erreur avec la source où il charge pas l'URL parce que tout simplement ceux qui n'ont pas d'URL on s'en fiche, on les affiche pas donc. Tout va bien. Et donc là, si on compte, on a 20 résultats. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc il n'a juste pas affiché ceux où il manquait des informations. Donc nous, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est une fonction très intéressante, activité indicator. Et on a aussi une autre chose à rajouter. C'est ici sur le bouton, c'est l'attribut disabled. Enfin, j'ai prononcé ça n'importe comment, mais disabled. Enfin bref. Et ça, tout simplement, on va mettre ici un booléen. Donc boolean vrai ou faux et en l'occurrence on va juste mettre isloading. Isloading c'est le state et le state ici c'est un boolean isloading. Donc traduction dès qu'on appuie sur le bouton comme indiqué ici ça charge donc isloading est vrai et donc là c'est vrai. Du coup, c'est désactivé, le bouton est désactivé. On va le voir tout à l'heure. Et ensuite, quand on arrive à la fin de la requête, on remet isloading sur false et donc là, disabled false, du coup c'est abled. enfin en tout cas c'est pas désactivé et donc ça va s'afficher normalement. On va faire un test. Là, on va mettre un nom de film ou autre recherché et là on peut pas cliquer tant que ça charge oui c'est très intéressant et ensuite quand le chargement est terminé et eh bien on peut de nouveau appuyer tout simplement Là, j'ai zoomé un peu et je me rends compte que l'affichage est un petit peu minuscule. Donc, on va juste augmenter un petit peu ici. On va mettre 15. Et sur type aussi. Donc, là, on va créer type. On va mettre pareil, font size 15. Euh, ou alors, non, même pas. On va juste appeler ça detail ou info. Et ça, ça aura font size 15. Et ensuite, on va le mettre sur les deux. Ah, mais de toute façon, ils sont dans le même composant texte. Ah, bah, c'est tout bénéfice. Donc, on va juste mettre ici info. Et voilà. Et donc, là, ça va modifier la police pour euh, year et euh, ici le type. Donc, ce sera soit série, soit film. Donc, maintenant, on va pouvoir essayer. Là, on va entrer. Un nom de série ou de film. Ensuite, on va appuyer sur Rechercher. Là, c'est bloqué. Là, on a l'animation et là, on a tous les films qui vont s'afficher avec l'année, le type, le titre, l'image, etc., etc. Éventuellement, on aurait pu faire un lien pour qu'on puisse cliquer, etc. Mais là, je pense que c'est déjà assez long, assez complet. Donc, bref, on a bien notre moteur de recherche pour films et séries. Donc, c'était très sympa. C'est un très bon projet pour apprendre les bases donc de React Native, les différents composants, même activités, indicateurs. On s'est fait plaisir sur celui-là. On a les states. On a des, des requêtes API, on a une liste, ça c'est très important. Opérateur ternaire, on c'est fait plaisir. On a tout le style, etc. Donc bref, c'était très sympa. Je te félicite pour être arrivé jusqu'ici. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans le développement mobile, mon programme Racknative Native Pro qui réunit plusieurs années d'expérience en développement informatique est disponible grâce au premier lien dans la description. Encore une fois, le nombre de places est limité. Alors on t'attend à l'intérieur. C'était Oriano.